Alors que les mois s'éternisent sans que rien ne ressemble à une annonce officielle, certains fans du Real Madrid s'inquiètent du transfert de Kylian Mbappé. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. D'autres, bien sûr, restent calmes, opérant sous la conviction que Mbappé viendra quoi qu'il arrive, car Florentino Pérez avait probablement convenu des choses si son histoire passée était quelque chose à dire. Il y a eu une brève frayeur plus tôt cette semaine lorsque le Parisien a rapporté que Mbappé avait signé un renouvellement de 2 ans avec le PSG, mais cela a été rapidement réfuté par des médias plus fiables, ainsi que par la mère de Mbappé, Faisal Amari. Vous devez penser que la famille de Mbappé en a marre de cette saga maintenant, avec Nasser Al-Khelaifi et son camp alimentant probablement beaucoup de ces fausses rumeurs pour mettre le jeune en avant dans une mauvaise position. La dernière mise à jour sur le front de Kylian Mbappé d'un journaliste au bon palmarès, Jérôme Roten de RMC Sport, et que le numéro 7 du PSG aura rendez-vous avec le Real Madrid la semaine prochaine. Roten dit que Mbappé n'a pas officiellement pris de décision en raison de son attachement au PSG, mais il est en effet plus proche de partir que de rester en raison des conditions du projet sportif que le club qatari n'a pas encore rempli. Mbappé n'oubliera sûrement pas comment le Real Madrid a éliminé le PSG de la Ligue des Champions, le jeune Français lui-même se démarquant comme le seul joueur qui semblait vouloir renverser la situation en faveur du PSG. Il était clairement l'homme vedette de son équipe, alors que Neymar et Lionel Messi, pour appeler les deux joueurs les mieux payés de l'équipe, ont pataugé lamentablement sur la grande scène contre les Meringues. Par conséquent, Los Blancos ont le projet sportif supérieur. Avec les jeunes stars Eduardo Camavinga, Fede Valverde et Rodrigo Goes qui se lancent et terminent un autre retour improbable, ils ont le noyau de joueurs prometteurs autour de Mbappé que le PSG ne peut pas lui offrir. Mis à part Achraf Hakimi, ils n'ont pas de superstar ascendante à part Mbappé lui-même. Nous verrons ce que cette rencontre entre le Real Madrid et Mbappé apportera, mais les madridistas ont toutes les raisons de croire que l'ancien monégasque se rendra au Santiago Bernabéu cet été.